Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma Summer Pack. Ça y est, c'est l'été. Ouais, enfin. Du coup, comme d'habitude, je me prévois 15 livres slash illustrateurs. Voilà, pour les phases où je sais pas trop quoi colorier. Du coup, je regarde ma petite pack et je me dis, tiens, je pourrais aller là-dedans. Et voilà, je feuillette et je me trouve un colo qui m'inspire. Donc, tout d'abord, oh, c'est toujours le bordel, hein? Toujours, toujours. Tout d'abord, je me suis noté bloc. Voilà, ça, j'essaye de me noter peut-être presque tous les mois pour que je pense à aller dans mes blocs Disney, parce que j'en ai beaucoup et j'y vais très peu. Donc ce mois-ci, on va peut-être faire le plan bureau, ça sera mieux. J'aimerais bien aller dans le summer pack, non, dans le summer time, parce que bah c'est le moment pour y aller quoi. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, je me suis noté celui-ci, même si j'ai le BFF qui avance pas, on rentre du boulot, le vie sauvage. J'en ai beaucoup, donc voilà, faut que je me prévoie un petit colo là-dedans. Voilà. Ou je devrais peut-être instaurer peut-être une roulette juste pour les blocs. Voilà. Comme ça ferait peut-être une roulette de plus. Mais voilà, ça me permettrait peut-être d'avancer plus souvent mes blocs. Donc ouais, me prendre un petit colo petit. Ça dépend lesquels, mais voilà. Faire un colo. Bien sûr. Non, je verrai bien. Mais bon, c'est noté. On verra. On verra à la fin de l'été si j'y suis allée. Il faut que j'enlève ce tracker parce que il me sert à rien. Ah, d'accord. Je ne suis pas une adepte des trackers. Voilà. Il y en a qui le sont à fond, mais moi, je. Ça ne me sert à rien. Par contre, je vais peut-être juste garder la. La devanture du truc. Mais non, je n'adhère pas au truc. Je fais mes colos et basta, quoi. Je suis pas là à faire des tableaux Excel, savoir à combien j'en suis dans mon bouquin. Non. Non, 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 c'est anxiogène pour moi. Donc, non, non, j'avance au jour le jour. De toute manière, je ne suis pas de la team qui veut terminer ses bouquins. Hein. Je suis vraiment là juste pour me détendre. Hop, ça c'est good. Ne suis pas très finition non plus, hein. Vous pouvez le remarquer. Voilà. Alors, petit scotch. Summer time, no time. Parce qu'il va falloir que je mette sur tout le tour, sinon on va avoir tendance à s'arracher, n'est-il pas? Hop. Vous faire un peu d'ASMR. ASMR scotch. Waouh. J'ai pua dans le jeu, je suis trop contente. Mais je me souviens pas, voilà, ils m'ont pas dit que je l'avais débloqué, du coup je m'en suis aperçue tardivement, je pense. Mais quand je l'ai sorti, il est trop mims. Quand il se roule sur le dos pour faire des gratte-gratte, il est trop mignon. Voilà, magnifique, n'est-il pas? Hop, allez. Parce que je sais pas où. Enfin, si, il me semble que c'est à Leclerc. Non, c'est du soleil, hein. Ah oh, oui, j'ai peur. J'en vois certaines qui ont des blocs à spirale et tu peux mettre le truc. Mais moi, j'ai pas ça, mon Leclerc. Hein. Franchement, l'arnaque totale. Mais ils sont trop beaux, mais j'ai pas. Voilà, donc. Non, j'ai pas fini de ranger mes autres bouquins. Tant pis.
Donc, alors, bloc 1 en number 1. Ensuite, en number 2, j'ai mis le vintage parce que bah, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et bah, j'ai bien envie d'y retourner malgré voilà le papier un peu. Le papier est toxique, hein, le papier est de la merdique. Voilà, donc j'en ai que deux dedans. Donc ouais, j'aimerais bien y retourner. Peut-être tenter avec les collines dedans. Mais oui, j'ai envie d'y retourner, donc je l'ai mis. J'ai aussi mis bah, le pan classique parce que lui aussi, il me tente bien. Pareil, j'en ai fait que deux dedans. J'ai fait La Belle et la Bête et Peter Pan, je crois. Ouais, Peter Pan. Donc, ouais, faire une autre page. Je sais pas. Je sais pas. Il y en a certaines qui l'avancent dans l'ordre, du coup. C'est sûr, c'est joli quand tu feuillettes, mais je sais pas. Où je vais regarder dans mon challenge de Mademoiselle Disneyland. Voir les colos que j'ai pas encore mis en couleur. Et en choisir un. Donc le grand classique. En Bologne. En numéro 4, j'ai mis Asiatique Disney parce que j'avais passé du coup une commande pour m'acheter les collines et je m'étais pris des petits livres Disney sur Amazon Japan. Donc pourquoi pas bah, les entamer, hein? Mais ouais. J'aime bien là-dedans, là. Donc ouais, à voir. Et le livre Winnie. Faudrait que je repasse une commande, un de ces quatre. Quand j'aurai de l'argent. pour m'en prendre d'autres. Donc voilà. En numéro 4. Numéro 5, j'ai mis marque-page. Donc, j'ai le petit poupée qui n'est pas entamé. Donc, ça serait bien que j'aille dans celui-ci. Ou sinon, bah, j'ai mes cartes postales bébés animaux aussi. Mais j'en ai d'autres hein, de marque-page. Mais faire ouais, quelques petits marque-pages, ça serait cool pour cet été. J'aimerais bien aménager mon balcon, pouvoir mettre une table, des chaises, et peut-être pouvoir colorier en extérieur, ça pourrait être cool. Et justement, bah, des petits marque-pages. Il faut vraiment que j'enlève l'autofocus. Ça pourrait être sympa. Numéro 6. Et j'ai mis Hey Paul, parce que bah, c'est le dernier que j'ai reçu. J'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Taz. Donc ouais, j'aimerais bien l'entamer. Donc j'ai mis Hey Paul. Il m'en manque plus qu'un, je crois, dans ma collection. Mais c'est des livres que j'aime énormément. Mais il faut vraiment que j'arrive à ne pas utiliser d'aquarelle pour le fond dans celui-ci. C'est pas papier du tout fait pour. Donc, ah, mais c'est trop beau. Donc voilà, celui-ci. Coloring Book of the Four Seasons. Lui. Ensuite, j'ai noté l'histoire éternelle. Généralement, j'essaye d'avancer celui-ci et le Bodoni méchant en même temps. C'est plus dans lequel j'étais allée la dernière fois. Bah, c'était lui. J'aurais dû aller dans le méchant cette fois-ci. Donc je verrai. J'intervertirai peut-être celui-ci avec le méchant ou j'essaierai d'en faire un dans celui-ci et un autre dans le méchant. Mais ouais, c'était celui-là le dernier que j'avais fait, je crois. Donc oui, j'aimerais bien retourner dedans. C'est vraiment des pépites. L'histoire éternelle, le Bodoni méchant. C'est juste le papier qui n'est pas pépite. Et il y a certains fonds là. Par exemple, ce fond-là, gesso noir. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Mais non, je sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était la dernière ligne droite. L'illustrateur avait pas beaucoup de temps. Nathalie Lavaux, voilà. Bah, t'avais pas beaucoup de temps. C'était les vacances qui arrivaient, je sais pas. Il te restait quelques colos à faire et hop, t'as tout bâclé, je ne sais pas. Didi l'a fait celui-là il n'y a pas longtemps. Il est trop beau. Donc ouais. Oh là là, ils sont beaux ceux-là. Ouais, je vois là, il y a jaune. Attends, comment ça s'appelle? Jaune, rouge, bleu? Je sais plus trop son pseudo. Mais elle est en train de le faire celui-ci. Mais oui, il y a certains fonds qui sont pas. Voilà. Hein, les traits là. Pourquoi? Pourquoi avoir ajouté ces traits dégueulasses? Tu pouvais pas juste laisser l'ILU. Non. Là, c'est quoi ces motifs dégueulasses? T'enlèves les motifs, tu laisses l'ILU. Nature peinture. Voilà. Les motifs. Aïe aïe aïe. J'aime bien celle-là aussi. Mais bon, j'ai fait du voyage d'Arlo il n'y a pas longtemps, donc. Pareil, essayer de compléter mon challenge de Mademoiselle Disneyland. Là, je le comprends pas non plus le fond. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Là encore, les effets psychédéliques. Voilà. Je travaillerai chez Hachette, ça n'existerait pas ça, hein, je vous le dis. Hein. Oh my god. Ensuite, j'ai noté Camilla Derico. Parce que ça fait un moment que je n'y suis pas allée. Franchement. Donc j'ai sorti le Mermaid. J'ai juste fait ça, je crois, dedans. Ouais, j'ai que fait ça. Ok. Donc, ouais. Y retourner. Même si j'aime pas le papier. Mais ouais, celui-ci où j'ai aussi sorti le Dragon and Other Magically Mystical Creature. Creature. Que j'ai entamé celui-là? Ou pas? Ah si, si, il a entamé. Ah oui, je fais une page. Que j'aime bien en plus. Donc ouais. Vous voyez le supervision? Oh, vous le voyez là. Oh, vous le voyez le supervision. Oh oui. Donc ouais. Hop. Ensuite, j'ai noté PDF. Donc j'en ai la masse. Hein, donc j'ai sorti bah, les petits PDF en A5. J'en ai pas mal là. J'ai le Witches où j'en ai. Enfin. J'aimerais bien ouais, retourner dedans. En faire quelques-unes. Carte postale. Mais ouais. Il y a le cute pookie, spooky cutie. Je sais plus quoi là. Je sais plus. Bref. Faudrait que j'y retourne. Et puis ça, c'est. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais. Ça que j'y retourne. Entre autres. Hop. Après, j'ai noté Mariola Budek. Bah, moi j'ai le Cute and Friends, c'est ça? Cute Friends. Donc j'aimerais bien avancer, continuer de l'avancer celui-ci. Bon bah il y a des trucs typiques Halloween. Automne, tout ça. Mais j'ai d'autres packs aussi, il me semble, en PDF. Ça pourrait être cute à faire. Donc ouais, faire un petit peu du Mariola Budek. Celle-ci, j'aime bien. Oh, la petite licorne. Oh là là, elle ou une des deux là. Oh oui, où elle? Ouais, faudrait.
Chouk. Oh, la pile. Ensuite, j'ai no noté Deria, parce que j'y vais pas assez. Bon, j'ai sorti que celui-là, mais j'en ai plein du Deria Sakirzoi. Donc voilà, faire du Deria, parce que j'en fais vraiment pas assez, mais vraiment pas. C'est honteux, c'est honteux. M'en sortir un et peut-être en faire deux. Ou... Il faut que je me sorte les doigts du cul. Ouais. Ça va se casser la goule là. Ensuite, j'ai noté vitraux, mais j'aimerais bien aller dans mon vitraux 2. Parce que quand j'en sors un, j'ai tendance à sortir le 1. Ah, j'ai encore un. J'ai attaché ça avec quoi? La colle? Du scotch? Je sais pas trop. Un tracker qui ne sert à rien. C'était de la souris colle. C'est bien, hein, ça n'arrache pas. J'ai mis le fun, ça. Faut pas que je parle trop vite. Non, c'est bon. Trop bien. Attention, petit tracker qui ne sert à rien. Donc, ouais. Aller dans celui-ci pour une fois, ça changerait. J'aime bien celui-là. Mais bon, réponse chez Ariel, j'ai déjà colo aussi. Ouais, faire un colo que j'ai jamais fait, quoi. Enfin. Celui-là, Radcliffe, il s'appelle, non? J'ai jamais dû le colo, lui. Ça, c'est le chasseur dans Blanche-Neige. Pardon. Il est quelle heure que je baille? Il est 11h17. Indestructible. Indestructible. Jamais colo non plus. Si, j'ai déjà colo la femme, le monsieur. Mais... Ouais, me choisir un colo. Hop, allez. On va faire notre pile. Hein. Hop. Après le vitraux, j'ai noté le Florence Wood Girl. C'est Taz qui m'a donné l'idée. Parce que oui, ça fait un moment que je ne suis pas allée dedans. Le papier, c'est pas ouf. Mais je me dis pourquoi pas tester. Ah, puis j'ai pas mis à jour ça non plus. Je sais plus laquelle d'autre j'ai fait. Je sais pas si c'est pas elle. Mais ouais, je sais pas à jour. C'est pas bien. Je sais même pas si j'avais colo là. Si j'ai colo en face. J'en ai pas que deux de fait. Si. C'est pas bien. Ouais. Donc ouais, retourner dans ce livre. C'est quand même une pépite, hein, celui-là. Mon fond est dégueulasse. J'aime pas du tout. Je pensais que j'en avais fait plus quand même. Ben non. Ça, c'était au brut, je crois. Alors, ça, c'est good. Oui! Après, en 14, j'ai noté l'âge de glace parce que bah, je me suis acheté parce qu'on a eu une frénésie avec les enfants et voilà, en famille, on a regardé quasiment tout. Et du coup, bah, je me suis acheté le Maxi Colo. Voilà. Est-ce que j'ai colo dedans? Bah non. Donc, ouais, j'aimerais bien faire un petit colo là-dedans. Même si en soi, ouais, le papier, c'est pas. C'est pas ouf. T'es qui toi? Il me dit plus rien, lui. Mais ouais, faire un petit colo dans celui-là. Me dis un dimanche après-midi, tu t'ennuies, allez. Ça passe. Je l'aime bien, lui. Mais bon, là, il y aura. Faut plus qu'un dimanche après-midi, là. Donc ouais, celui-ci, on verra bien. Hein.
Et en dernier, en numéro 15, j'ai mis Art déco. Mes fameux livres dégueulasses. Mes bedonies de l'ancien temps. J'ai encore un tracker qui ne sert à rien. Ah oui. Donc j'avais fait cette horreur. Waouh. J'en ai fait un autre dans celui-là ou j'ai que cette horreur? J'avais commencé à mettre du gesso. Mais ça va pas être ouf à colo par-dessus. Ah, j'avais mis un marque-tapage. J'en ai pas fait d'autres. Oh, c'est vraiment moche. Vraiment moche. Donc ouais, il faudrait que voilà, j'aille dedans. Même les personnages, ils ont des têtes cheloues. Vous avez vu Ariel, la tête qu'elle a? Oh bah alors elle, on n'en parle pas. Sors d'où elle? Mais bon, à cette époque-là, on nous mettait à la fin. D'où est tiré le l'illustration, hein? Mais ouais. Faudrait que je retourne dans celui-ci ou bah dans l'autre. Le tome 2. Pareil, encore un truc qui sort. Là, j'en ai fait. J'en ai fait. Ah oui. Ça fait longtemps. Très longtemps. Je m'étais amusée ouais, avec mes Paul Rubens. Mes Paul Rubens ou mes stylos métalliques Lidl. Je pense plus que ce soit ça. Ouch. Là, j'avais fait un fond dégueulasse. Voilà, autant le personnage et les fleurs, ça passe. Mais alors le reste, au secours. Je ne sais pas pourquoi. Je suis partie dans du orange. Je n'aurais pas dû. Au secours. Mais je partais confiante parce que celui que j'avais fait, il était potable. Winnie et ses amis. Ah, j'avais fait Dingo. Et celui-là, il rend super bien. Voilà. Je suis partie confiante et. Ça, c'est Gontran. On le voit plus, lui. Flagada Jones aussi, on l'a pas, lui. Bref, faut que je retourne dans ses livres. Papier chinois. Achevé d'imprimer. Ça date de 2016. Ça, maman. Celui-là, ouais, je l'avais depuis le début. C'est le deuxième, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai eu un moment où. C'est qui? Ah oui! D'accord. Si je revois qui c'est. Je l'ai vu, ce dessin. Donc, ouais. Je prenne mon courage à deux mains et. Ah. Je l'avais oublié, je suis là du coup. Alors. Donc voilà pour ma summer pack. On verra bien hein, si. Si j'ose. Aller dans ces bouquins. On verra bien. L'avenir nous le dira. Je vide là. Parce que là, c'était ma pack. Ma spring pack, il faut que j'enlève tout ça, que je range. Enfin, j'en ai partout, c'est juste. Wow. L'horreur. Donc voilà. Moi, je vais vous faire des bisous, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous-même. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez un bouquin que je vous ai montré, ou vous voulez aller dedans vous aussi prochainement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se fasse un duo. C'est avec grand plaisir. Des gros bisous. Ciao. Bye.